Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, après notre trêve estivale, nous reprenons le cours de nos rencontres « Parlons vrai ». Notre invitée de septembre est donc Françoise, qui va nous partager son parcours, ses doutes, ses joies, ses craintes, mais surtout son enthousiasme à aller à la rencontre des autres, surtout les plus démunis. Bonjour, très heureuse de venir à votre rencontre. Voilà, je m'appelle Françoise, je suis originaire d'un petit village de la région de Tournai-Moucron. Je suis la quatrième d'une famille de 6 enfants et j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, classique, sans problème, aussi bien en famille qu'à l'école. Donc le parcours scolaire, j'ai commencé par la petite école paroissiale du village pour ensuite aller à la grande ville à Tournai chez les Ursulines. Et j'ai terminé par une licence en philologie romane à Namur et à Louvain. Côté professionnel, donc j'ai enchaîné après les études. J'ai eu la chance d'aller un an en Pologne enseigner le français à l'université de Lublin. Puis j'ai donné cours 2 ans à Quévrin comme prof de français. Et voilà, ma brillante carrière s'arrête là, car après j'ai fait le choix de rester au foyer. Donc côté vie privée, puisqu'on y est, on s'est mariés en 79. Nous avons eu 4 enfants en 5 ans. Et c'est comme ça qu'on a privilégié cette solution de mère au foyer. Et nous avons actuellement 11 petits enfants, tous plus adorables les uns que les autres, bien sûr. Nous avons habité 7 ans à Bruxelles avant d'arriver à Arlon en 86. Et on est vraiment très heureux d'y être. On s'est intégré assez rapidement et tout va très bien. C'est vraiment génial, la vie par ici. La vie de mère au foyer m'a aussi permis, bien sûr, de m'engager dans diverses associations. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, un fait marquant, plutôt 2 parce que j'ai eu du mal à sélectionner. Le premier, donc, c'est mon année en Pologne. C'était encore, parce que je suis quand même un dinosaure, c'était encore du temps de la barrière de l'Est et du régime communiste en Pologne. Donc, ils étaient sous la coupe du grand frère russe. Et cela entraînait d'abord beaucoup de difficultés au quotidien. On peut parler des fils pour acheter la viande, des tickets de rationnement. On avait droit à 1 kg de sucre, 1 kg de farine par mois, pas plus. Dans tous les magasins, il n'y avait presque rien. On arrivait, bon, Niema, il n'y a plus. C'était très difficile de se débrouiller. Enfin, pour moi, ce n'était pas grave. J'allais pour une année, mais pour les gens, c'était très dur. Pour le logement aussi, par exemple, ils devaient s'inscrire sur une liste d'attente, ils en avaient au moins pour 10 ans avant qu'on leur octroie un petit studio minable dans un HLM. Enfin voilà. La vie au quotidien était vraiment très dure. Mais j'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas, bien sûr, en venant d'un pays privilégié. Et par contre, j'ai reçu un accueil fantastique. Les gens étaient chaleureux, ouverts, vraiment gentils, contents de vous accueillir malgré le peu qu'ils avaient. Donc c'est une expérience qui m'a fort marquée et qui m'a ouvert un peu les yeux sur d'autres choses. La deuxième expérience dont je vais vous toucher un petit mot, c'est mon cancer de l'intestin. Voilà. J'avais 42 ans quand on m'a diagnostiqué ce cancer. J'ai été opérée et comme on a découvert des métastases, j'ai aussi dû subir une chimiothérapie de 6 mois. Et le pronostic était quand même un peu tangent. Alors je ne vous dis pas l'épée de Damoclès que ça peut être sur la tête quand on a une famille de 4 enfants entre 12 et 17 ans. Un mari aussi bien sûr, mais on a un peu peur. C'est très difficile à vivre, heureusement. Comme j'en suis sortie, je peux quand même en tirer des aspects positifs. Le premier, c'est bien sûr qu'on redécouvre peut-être l'essentiel, le cadeau de la vie et qu'on voit vraiment ce qui est important.
Et le deuxième, je crois que c'est le soutien qu'on peut connaître en ces moments-là, le soutien de la famille, bien sûr, et aussi le soutien des amis, des petits gestes, un souper qu'on vous apporte, une visite, enfin, tout est bienvenu et tout fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est bien de se rendre compte que dans des situations difficiles, il peut y avoir des moments très positifs aussi. Voilà, mon objet est choisi, beau jeu de cartes. Ça peut paraître peut-être un peu léger, futile, superficiel, mais je pense que ça va plus loin qu'un jeu. Enfin, c'est important pour moi parce que j'adore jouer, donc ça c'est déjà la première chose. Mais c'est aussi pour moi le symbole d'une certaine convivialité, de la rencontre de l'autre, d'une certaine complicité au-delà des frontières du langage. Par exemple, j'ai joué beaucoup en Pologne, sans savoir un mot de polonais au début, ou avec des étrangers. Au-delà des barrières aussi de niveau social ou de l'âge, hein, on joue avec les petits-enfants, on joue avec n'importe qui, c'est très gai. Je pense que le jeu permet vraiment un peu de lâcher prise et de se retrouver autour d'une même action qui ne porte pas à conséquence et qui permet de, voilà, d'être ensemble sans autre but et ça fait du bien. C'est peut-être aussi important pour moi parce que comme je n'aime pas beaucoup parler, ben je préfère finalement jouer que de passer 2 heures à refaire le monde en discussion peut-être qui stérile ou qui finalement ne changeront pas la face des choses. Voilà, donc quand vous voulez, on peut jouer. Oui, ben moi, on peut dire que ça remonte à très loin, hein, l'origine de la foi, puisque je suis née dans une famille catholique pratiquante, donc les valeurs sont passées, j'ai eu les sacrements de l'enfance, et puis j'ai également été dans des écoles catholiques, donc ça a contribué à renforcer tout ça. Mais alors, ce sont surtout les mouvements de jeunesse qui m'ont aussi appris beaucoup. J'ai déjà été chez les croisés dans les premières années en 6e latine, et puis chez les guides aussi, et également à la GEC. Alors, j'ai poursuivi ces mouvements à l'âge adulte, et notamment en m'engageant dans l'ACI. Donc, c'est un mouvement qu'on connaît peut-être peu. Ça veut dire « agir en chrétien informé ». Donc, c'est un mouvement qui veut réfléchir aux problèmes de société et à la lumière de l'Évangile, et avec la méthode de Cardaine, le voir, juger, agir. Donc en fait, on se réunit une fois par mois en équipe d'amitié bien sûr, et on échange donc sur des problèmes comme l'éthique, l'environnement, etc. Et on peut résumer un peu comme ça, l'Évangile dans une main et le journal dans l'autre. Voilà, un peu l'ACI m'a apporté beaucoup. Ensuite, d'autres éléments qui peuvent aussi aider dans ce cheminement vers la foi, ce sont des moments forts. Alors, je pense particulièrement à Thésée, où j'ai eu l'occasion d'aller vers 17 ans, qui m'a vraiment bien marqué. Il y a aussi d'autres temps forts, hein, des sessions vie-foi dans les monastères, des retraites, et puis des lectures, bien sûr. Voilà, tout ça a contribué un peu à éveiller. Puis les engagements paroissiaux, pastoraux, bien sûr. Tout un ensemble, en tout cas, qui fait que je suis dans une mouvance chrétienne, dans une recherche. Mais je voudrais un peu citer Jean-Marie Piron, parce que je suis un peu d'accord avec lui, qui dit toujours, beaucoup de gens disent qu'ils sont croyants, mais pas pratiquants, dit-il. Et moi, c'est plutôt l'inverse. Et je renchéris en disant, c'est vrai que moi aussi je me sens pratiquante parce que mes engagements sont en cohérence peut-être avec les valeurs de l'Évangile et que j'essaye de les vivre, donc je me sens pratiquante. Maintenant, pour la foi, c'est toujours très difficile, je crois que ce n'est jamais acquis et donc j'ai un peu de soucis de ce côté-là parce que je me pose encore beaucoup de questions, peut-être comme tout le monde. Sur la liberté, sur la souffrance, sur l'au-delà, ce sont des sujets difficiles. Et alors aussi un peu de déception par rapport à l'Église, ce qui n'aide pas non plus à renforcer ma vie de foi, par rapport aux prises de position sociétales, par rapport à la place de la femme, par rapport aussi au langage utilisé. Voilà, donc
un petit peu de décalage, il faut que ça ralentisse un petit peu mon cheminement. Bien, mais moi je vais d'abord parler de la famille, puisque vous vous en doutez, c'est très important à mes yeux, puisque j'ai arrêté de travailler pour pouvoir m'occuper des enfants et de la famille en général. Pour moi, c'est la première cellule où on peut vraiment vivre ses valeurs et témoigner des choses auxquelles on croit et des choses qu'on veut faire passer, du message qu'on veut vivre. Donc la famille, c'est très important. On a 11 petits-enfants qu'on accueille régulièrement, pas de façon systématique, mais on est là pour eux quand ils veulent et quand on en a besoin. Voilà, ça c'est le premier engagement. Le deuxième, pour moi, c'est Oxfam. Je suis depuis 30 ans dans le mouvement et je suis toujours aussi enthousiaste et je trouve ça toujours aussi merveilleux comme approche. Je m'occupe un peu de la coordination du travail de plus de 80 bénévoles dans nos deux magasins d'Arlon. Donc, il y a le magasin de commerce équitable. Le commerce équitable, donc, c'est payer un prix juste le producteur et veiller à ce qu'il travaille dans des conditions correctes en respectant l'environnement. C'est une idée vraiment que je trouve à la fois banale parce que ça devrait être le cas partout. Il n'y a pas de raison d'exploiter des producteurs. Pourquoi ? Enfin, tout le monde devrait être payé un prix juste, donc ça devrait être normal, on ne devrait même pas en parler. Et donc c'est une idée banale, mais c'est une idée originale parce que finalement, il n'y a personne qui le fait. Les multinationales s'empressent d'exploiter toute la main-d'œuvre qu'ils peuvent, là, dans les pays du Sud surtout. Et nous, on est toujours très contents de payer notre chocolat moins cher et notre café moins cher sans se soucier toujours de ce que vont toucher là-bas les producteurs finalement, hein, tant que ça nous arrange. Donc c'est vraiment important de rétablir un certain niveau de justice, d'égalité, on n'y pense même pas, mais de tendre au moins vers ça. Ça, c'est donc le magasin de commerce équitable qui propose donc des produits du Sud achetés à un prix correct. Et ça, c'est magnifique. Le deuxième magasin, c'est le magasin de seconde main qui est tout aussi important parce que finalement, il remplit trois missions. Il aide la population locale qui n'a pas toujours les moyens de se payer des articles très chers en boutique. Il permet aussi de générer de l'argent pour soutenir les projets des partenaires. Parce que, par exemple, il faut savoir qu'on préfinance à 50% tout en commande. Si on achète des foulards en Inde, si on les commande maintenant et qu'on les reçoit dans un an, ben, on a déjà payé 50%. Et c'est génial pour les producteurs parce que ça leur permet d'acheter les matières premières ou les semences, enfin, ce dont ils ont besoin pour démarrer, et de payer évidemment les travailleurs directement aussi. Et le troisième avantage, c'est de lutter pour un environnement plus normal et plus correct, puisqu'on essaye de combattre la surconsommation, le gaspillage, en donnant une deuxième vie aux choses. Ça peut être des vêtements, ça peut être des livres, ça peut être des jouets, ça peut être des chaussures, beaucoup de choses finalement, de la brocante également. Et donc voilà un peu les deux magasins d'Arlon qui fonctionnent super bien et je trouve l'approche vraiment magnifique parce qu'il est plus que temps de s'occuper à la fois des inégalités sociales et des problèmes environnementaux. Les deux sont intimement liés et je crois qu'on ne peut pas avancer dans un sens sans s'occuper de l'autre. Je trouve que Oxfam, c'est une bonne approche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une approche très concrète. On a vraiment l'impression d'agir, même si c'est une goutte d'eau, c'est toujours ça, c'est 5 millions de travailleurs qui vont en bénéficier, ce sont des gens ici qui vont aussi pouvoir en bénéficier, s'habiller correctement, donc c'est vraiment intéressant. C'est aussi capital de rétablir une certaine justice, une certaine égalité. Voilà, moi je suis toujours dans l'emballement et la motivation pour continuer ce combat. Est très nécessaire. Ça, c'est vraiment mon engagement principal. Et alors, je peux aussi parler très rapidement d'un autre engagement envers les réfugiés, les sans-papiers, les transmigrants.
Ça fait déjà quelques années aussi que j'essaye d'être un peu sur le front. Il y a eu Amitié Tchétchène il y a quelques années, il y a eu Stockholm, il y a toujours Accueil Réfugié Boguifra, l'hébergement d'un réfugié, le ravitaillement des transmigrants. Il y a aussi la participation à la Commission de solidarité Nord-Sud, tout ça pour essayer un peu de faire bouger les choses et dans ce domaine-là. Je pense que c'est aussi important. Tous ces gens n'ont pas choisi de venir ici. Il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. C'est parce qu'ils n'ont vraiment pas d'autres solutions et je pense qu'on peut partager. Voilà. Bien, j'ai commencé en fait les activités paroissiales à Bruxelles déjà par la catéchèse des premières communions. J'ai continué à Viville en arrivant dans la région. Puis j'ai enchaîné aussi avec la liturgie des enfants pendant la messe dominicale à Saint-Bernard. Et ensuite, en arrivant à Frassem, je me suis occupée avec tout un groupe, hein, bien sûr, de Frassem, de l'accompagnement des jeunes à la confirmation. Et c'était vraiment très enrichissant. Et puis on s'est rendu compte, il y a eu une demande de leur part et il y a eu aussi une envie de notre côté de poursuivre, parce que c'est pas le tout qu'il ait le sacrement de confirmation en poche. Qu'est-ce qu'on fait après? Souvent, ils quittent ou ils s'y retrouvent pas. Et donc, ils avaient envie de continuer et nous aussi. Et donc, on a organisé des messes pour les jeunes à Frassem. C'était vraiment génial. On a passé des moments magnifiques avec eux, des échanges terribles. On faisait des messes de jeunes, mais on faisait aussi des activités à côté pour bien se connaître et pour aller plus loin dans l'approfondissement, soit de la foi, soit des activités ludiques, sociales. C'était très intéressant et ça nous a apporté énormément. On a fait ça pendant une dizaine d'années, puis ben voilà, ça s'est arrêté parce qu'on voulait laisser la place aux jeunes, aux jeunes encadrants notamment. Et voilà, maintenant, malheureusement, les activités paroissiales, c'est un peu au ralenti. Je ne m'y retrouve pas bien, j'ai un peu de problèmes avec l'église, comme je vous disais, donc je ne trouve pas vraiment ma place pour le moment. Je trouvais que Vatican II avait apporté un renouveau, un souffle d'espoir dans l'Église et j'étais vraiment très en phase avec l'Église à ce moment-là, en me disant « chouette, on va avancer, on va s'ouvrir, on va être dans le coup ». J'ai vécu des expériences magnifiques, des retraites ou des messes super, ou Thésée ou d'autres. Et puis voilà, plus rien. J'ai l'impression qu'on est revenu 50 ans en arrière et il y a beaucoup de problèmes qui me dérangent, que ce soit le langage des liturgies, que ce soit toujours la place de la femme ou le mariage des prêtres, les prises de position, etc. On peut quand même garder l'espoir parce qu'on a, c'est vrai, depuis quelques années, un pape formidable qui nous a notamment donné deux belles encycliques. Hein, qui parlait à la fois de l'environnement et à la fois aussi de l'importance de l'accueil. Voilà, malheureusement, il n'a pas les coudes franches pour avancer aussi vite qu'il voudrait et c'est un peu dommage, mais j'espère qu'il va pouvoir mettre en place, peut-être pour l'avenir, pour son successeur, que ça reste dans la ligne et qu'on puisse encore ouvrir davantage parce que lui ne le peut malheureusement pas. Mais bon, ça, c'est vrai que ça m'a déjà un petit peu réconfortée et c'est une image de l'Église déjà beaucoup plus positive et qu'on n'a pas peur de montrer aux autres et de partager avec des non-croyants parce que vraiment il est tout à fait valable, quoi. Donc allez, on termine quand même sur une note d'espoir. Mes hobbies, vous l'aurez deviné, d'abord ce sont les jeux puisque j'en ai déjà parlé et que je trouve ça toujours très très gai, très, très positif. Un autre hobby principal, c'est finalement la nature, que ce soit sous forme de randonnée ou dans le jardinage, simplement, ça délasse l'esprit et j'adore. Un troisième, bien sûr, c'est la lecture. Ça rejoint peut-être mes priorités d'avant et mes études, donc c'est toujours une passion. Je pense qu'on peut aller vers des projets tout aussi essentiels, qui sont
qui sont la rencontre de l'autre. Il y a quand même beaucoup de personnes seules, de personnes malades, même de jeunes ou de personnes d'étrangers, de gens fragilisés. Je pense qu'il y a du travail de ce côté-là et qu'une petite visite, un coup de téléphone, une activité avec eux ou sous forme de jeu peut-être, on verra, ou des cours de français, enfin tout ça est possible et moi je pense que je vais plutôt m'orienter vers tout ça dans les années qui viennent. Le premier lieu auquel je pense, c'est la nature, parce que là, vraiment, on se déconnecte bien. J'adore partir en randonnée le matin et lâcher prise et retrouver du sens avec l'environnement. Donc ça, c'est très important. Plus particulièrement, dans le contexte qui nous préoccupe, un autre lieu magique, c'était pour moi Thésée, que j'ai découvert à l'âge de 17 ans. L'église de Thésée, pour moi, c'est vraiment un lieu de ressourcement, un lieu où on se sent bien. On peut lire, on peut méditer, on peut participer à la liturgie, on peut chanter, on peut se mettre comme on veut, on est bien dans une convivialité, un respect et surtout une paix revivifiante, une paix authentique. Notre prière est d'abord la prière monastique. Et en même temps, Frère Roger voulait que cette prière soit ouverte, accessible pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui qui n'ont pas toute une culture ecclésiale aujourd'hui. C'est une minorité qui a toute une culture ecclésiale. Alors pour cela, nous avons les chants répétitifs parce que tout le monde peut participer, peut entrer et ne pas rester spectateur. Ne pas rester extérieur, mais être pris dans la prière, chez ceux qui sont habitués à prier et même chez ceux qui n'ont plus tellement l'habitude. C'est rare d'avoir un lieu de culte où on se sent aussi bien. J'aime les rencontres. Les rencontres en petits groupes, évidemment, parce que je suis quand même timide et puis on n'a pas envie de refaire tout le monde. Mais la rencontre en famille ou avec des amis, je pense qu'une rencontre dans l'amour, dans le partage, dans le respect, eh bien c'est déjà du bonheur et c'est déjà un petit avant-goût du paradis. Je n'aime pas les conflits. Ça me met mal à l'aise et je trouve qu'on n'a qu'une vie, pourquoi s'embêter à se rendre malheureux ? Ces conflits en plus viennent généralement de malentendus et de manque de communication qu'on pourrait facilement éviter parce qu'un conflit ça fait très mal, enfin moi ça me fait très mal. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. »
C'est d'abord un petit clin d'œil à mon mari Jean-François parce que c'est un texte qu'il cite régulièrement. Et comme nous avons la chance de partager notre foi en couple et d'en parler, c'est devenu notre référence, un peu notre motivation, notre raison d'agir en chrétien informé. Ce texte, finalement, fait allusion à un Dieu d'amour, un Dieu qui n'est pas d'amour théorique, mais vraiment cet amour doit s'incruster dans des actes concrets envers les gens les plus fragilisés de la société, les gens les plus démunis, et c'est très important. Et ça nous fait penser aussi à saint François d'Assise, qui est notre saint patron à tous les deux, et qui a vraiment vécu ça jusqu'au bout des ongles. Bon, encore du chemin à faire hein, de ce côté-là. Voilà, deux aspects de cet évangile que j'aime beaucoup, c'est l'image d'un Dieu d'amour et en même temps l'importance de l'action. On n'est pas chrétien uniquement en allant à la messe, quoi. Voilà, j'ai choisi Christian Bobin, La folle allure, pour sa profondeur, son humour. Je vous lis juste un petit passage qui explique le titre. Il nous faut mener double vie dans nos vies, double sang dans nos cœurs, la joie avec la peine, le rire avec les ombres, deux chevaux dans le même attelage, chacun tirant de son côté à folle allure. C'est l'histoire merveilleuse finalement d'une petite fille qui est née dans un cirque, mais qui est surtout née pour la gaieté, pour l'indépendance. On la découvre quand elle a 2 ans et demi et qu'elle est amoureuse d'un loup. Et puis on la suit dans ses fugues, on la suit à la pension, jusqu'au mariage, qui va sonner un peu la fin de l'enfance. Puis ce sera la fin du mariage, malheureusement, et l'ouverture à d'autres vies. Et la boucle sera bouclée quand on la retrouvera avec une vieille dame à son bras, une vieille dame qu'elle a prise sous son aile protectrice, l'aile d'un ange. C'est très beau. Publié il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité. Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point. Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement. Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. We didn't start with shall we save the planet because that was too grand. We just start with where we are. Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Faisons tout à la main sur un tout petit territoire, tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled or composted. Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant. Now we vote, we govern. On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler demain. Demain, je crois qu'il ne faut pas en parler davantage parce que tout le monde l'a déjà vu, mais pour moi c'est important parce qu'il dénonce quand même l'urgence de sauver la planète. Mais donc c'est une situation évidemment catastrophique, mais d'un autre côté, ça reste positif, il nous donne des pistes, des essais de solutions. Il nous invite au voyage aussi, il nous invite à découvrir d'autres civilisations, d'autres façons d'agir, de penser. Et je trouve que c'est une formidable ouverture. Ça fait du bien, un film positif quand même, constructif, plein d'espoir. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai choisi la chanson de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour », un grand classique. Mais elle est tellement merveilleuse. Je suis particulièrement attirée en fait par la chanson française
ou du moins quand les auteurs, l'interprète ont quelque chose à faire passer et qu'ils le font avec enthousiasme. Hein. Donc je pense aussi à des gens comme Jean Ferrat, Goldman, mais évidemment Jacques Brel. Alors la chanson, ben, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je vous la laisse écouter parce que c'est merveilleux de poésie, de fraîcheur et d'authenticité. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matins pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mondes de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien,